Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan, comment dire, de Géant Casino. Donc, tout a été bradé à moins 70%, 75%, bref. C'était juste énorme. Là, vous entendez la petite voix d'un produit que j'ai récupéré justement pour 12-13 euros. Je vais vous le montrer. Donc du coup, on se retrouve pour le débrief du Géant Casino tout de suite après le générique. Portez-vous bien, jouez bien, mais surtout, cassez pas les manettes, les amis. Voilà, je vous montre la première trouvaille de mon Géant Casino, donc qui aujourd'hui a fermé, va devenir Intermarché. Voilà, j'ai récupéré ce petit groupe animé, voilà, qui parle. Et franchement, 13 euros, vraiment, vraiment tip top. Après, je sais pas combien ça vaut, hein, dites-le moi dans les commentaires. Mais franchement, bien content de l'avoir trouvé. Voilà, je vais le poser avec moi. Après le Groots, je trouvais pour 1 euro l'unité, c'est pas du tout ma spécialité, mais des petites majorettes. Donc tu as une petite Porsche édition, la Porsche Panamera Turbo, voilà qui est là. Et chez Volkswagen, toujours chez majorette, un petit utilitaire, le Volkswagen, le T1 qui est là. Voilà, je te le montre. Voilà, désolé, ma caméra fait des siennes. Hop. Et franchement, c'est des éditions officielles, hein, officielles Porsche et officielles Volkswagen. Donc 2 euros, ces deux petites figurines. Franchement, c'est plutôt cool de récupérer tout ça. Pas mal de figurines. C'était 1,90€ ou 2, même pas 2 euros. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que j'ai récupéré une petite figurine de Dragon Ball Z. Voilà, donc il s'agit du Super Saiyan Gohan. Donc, sans Gohan. Donc, franchement, pour à peine 2 euros chez Géant Casino. Enfin, maintenant, ce n'est plus Géant Casino à l'heure où je vous parle. Enfin, du moins le mien. Et celle-ci, pareil, pour 2 euros, une autre gamme avec le petit trunk. Et franchement, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me diras toi en commentaire, mais elle est juste magnifique. Moi, j'adore. J'adore cette petite figurine. Donc, 2 euros. Maintenant, on va rentrer dans la case à 3 à 4 euros. J'avais récupéré donc des petites pop, ce qu'ils appellent les Chibi Masters. J'en ai quelques-unes sur Dragon Ball Z. Et là, ça va être sur du Naruto. Donc, le petit Kakashi, donc à 3 balles. Toujours chez Géant Casino. elle est sublime, hein, franchement. Et dans la collection, tu avais tout ça. Il faut savoir que ces petits trucs-là, mine de rien, je crois que ça vaut 15 balles. Donc, à 4 balles, tu es plutôt content. Évidemment, Sasuke. Pareil, que j'avais récupéré à 4 balles. Et le dernier, le frère de Sasuke, Itachi. Voilà, le petit Itachi. Que je te montre comme ceci. Franchement, c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était 4 euros l'unité. Ouais, j'avoue, j'ai fait plein de figurines là, le dernier jour. C'était surtout le dernier jour, c'était tip top, mais bon, j'ai pas pu y aller. J'imagine que ça devait être incroyable encore les prix. Allez, on va dans du One Piece. Je crois que c'est la seule figurine de One Piece que j'ai trouvée qui était à 6 balles. Donc celle-là, c'était la plus chère, les autres étaient à 5. Voilà, donc une petite figurine de One Piece. Shank, je crois il s'appelle. Ouais, Shanks. Voilà, de Shanks, 5 balles. Et franchement, à ce prix-là, c'est plutôt correct.
Je pense que là, pour la petite collection de figurines, je suis plutôt bien. Allez, du Naruto, pareil, la même collection dans la catégorie Animero. Il s'agit de Sasuke, pareil, 5 balles. Vraiment tip top. Je sais pas si tu vois bien, mais franchement, j'adore. J'adore quoi, 5 balles. J'ai pas de nose, là c'était encore mieux que chez Nose. Toujours chez nos amis de chez Naruto. Et il s'agit encore de Kakashi attaqué. Et elle est incroyable. Pareil, 5 balles. Voilà. Donc là, on va rentrer encore dans mon univers. Donc je vous le rappelle, hein, évidemment, petit aparté. Si vous avez des géants casinos qui ne sont pas encore fermés ou qui vont fermer, allez-y faire un tour parce que franchement, les moins 70%, je pense que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, dans les vidéos, vous avez vu, j'avais récupéré des petits jeux PS5 à 15 euros, entre 10 et 15 euros. Et là, j'en ai encore trouvé. On verra ça en fin de vidéo. Alors, pareil, là dans les Dragon Star, pareil, une même gamme, il s'agit du Goku, version Goku normale, quoi, tu vois. Mais elles sont juste géniales, quoi, 5 balles. Et dans cette gamme-là, il y a quoi? Il y a 3 figurines. Bah voilà, ouais, y a, dont celle-là, là, les dernières, c'est les plus récentes. Piccolo et évidemment Sangoku. 5 balles. Et là, la dernière. Toujours dans la catégorie Dragon Star, les amis. Il s'agit de notre ami, évidemment, Vegeta. Forcément. Forcément. Regardez ça. Elles sont vraiment pas mal. Bon, moi, il faut savoir que je ne vais pas les sortir des boîtes. Voilà, là, tu vois bien. Mais bon, hein, franchement, t'imagines que pour l'instant, j'ai quand même ramené tout ça. Bon, hein, je l'ai fait dans les. Vu que j'ai un peu de retard sur les vidéos, je suis désolé. Ça se trouve, j'ai peut-être même oublié quelques petites choses que j'avais trouvées par-ci et par-là. Ça fait entre 3 et 4 mois de vidéos, ça, hein, de base. Hein, là, ce que j'ai rentré, je n'ai pas rentré tout d'un bloc, tu t'en doutes bien. Voilà. Donc, tu parles plus, Groot? Ah, il se réveille. Voilà. Et là, vous l'allez voir quand il dort. Voilà. Là, je crois qu'on va avoir la paix. Allez, on va finir avec deux petits jeux PS5. 15 euros. Le premier, The Walking Dead Destiny. Bon, c'est une purge apparemment, mais à 15 euros, je me suis dit. Au moins, je me dirais, il est beau. Voilà. Donc, le petit Walking Dead Destiny, hein, tu retraces l'histoire des 5. Je ne sais pas, même pas s'il y a toutes les saisons. Ça m'étonnerait qu'il y ait les 11 saisons là-dedans. Enfin, bref. Du coup, ben, 5 euros. 15 euros. 5 euros. 15 euros, c'est plutôt pas mal. Et un autre petit jeu. Pareil, à 15 euros. Toujours sur PS5. Il s'agit du Lord of the Fallen. Voilà, 15 euros chez Géant Casino. Enfin, la fin de Géant Casino. Hein, bien évidemment, si toi, tu as un Géant Casino qui ferme pas encore, évidemment que tu n'auras pas de promo, mon ami. Voilà, le petit Lord of Fallen. Donc, qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime assez. J'aime assez. Franchement, c'est plutôt cool. Et il y a eu de bonnes petites rentrées, voilà. Donc pour ce qui est de mon actu, je commence à revenir, mais ça je vous le dis à chaque fois, là j'ai du Micromania prochainement à vous montrer, ce serait plutôt pas mal. Plein de petites choses comme ça, revenir en vidéo, en tous les cas, à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, voilà. Hein, après, c'est bien. Et les petits likes, forcément, importants pour le référencement, mes copains, copines.
Bah, je crois qu'on a fait le tour hein, du global. Je regarde autour de moi, mais hop là, tu vois. Ce qui est bien, c'est que là, voilà, ça c'est une petite caméra là, que j'ai achetée chez Action. Et en fait, elle suit mes mouvements, tu vois. Regarde, je fais ça. Et voilà. Et là, je m'en remets droit. Normalement, elle fait focus sur moi. Mais si je fais ça, elle descend pas. C'est con. Enfin bref. Bon, les copains, j'espère que cette petite vidéo spéciale 70% et plus de chez la fin de Géant Casino vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, hein, portez-vous bien, jouez bien, mais surtout, cassez pas les manettes, les amis. Ciao, ciao! Jouez bien, mais surtout, cassez pas les manettes, les amis.